Voilà. À première vue, je ne suis qu'un vulgaire comédien de vaudeville à qui les vicissitudes de la vie font jouer le vilain et la victime, et vice-versa. Ce visage n'est pas que le vil reflet de ma vanité, mais un vibrant vestige de la vox populi aujourd'hui vacillante et vaincue. Vous devez y voir les vieux restes d'une vexation vieillissante, aussi vive que vivante, et vouée à vaincre cette vermine vulgaire, vivace, virulente et vénale qui vivote en privant ses valeureuses victimes vaincues de la vérité et des vraies valeurs. Tel un ex-voto, et non en vain, visant à faire vaincre la vertu face à cette vilenie levée dans les veines de nos villes. Ces vagues vocales faisant de moi un ventriloque vociférant ses volutes verbales, revenons-en à l'essentiel. Je suis honoré de vous rencontrer, alors pour vous, je serai V. Des trop longues vacances qu'elle semble s'être accordée, elle qui est censée défendre les enfants des pauvres et punir les malfaiteurs, et à la gloire des imposteurs qu'elle nourrit en son sein. Une révolution peut changer le monde. Les peuples ne devraient pas craindre leur gouvernement. Les gouvernements devraient craindre leur peuple.